C'était moi, Barry. C'est moi qui ai utilisé ton compte Netflix pour voir un milliard de dessins animés pour bébé pour que tu perdes quelques secondes à trouver Better Call Saul, te mettant assez en retard pour que... Hein ? Oui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, j'ai activé mon VPN pour me mettre l'IP d'un autre univers. Quoi ? Oui, alors en fait, NordVPN permet juste de maquiller le pays de votre IP, pas l'univers. Mais bon, pays, c'est pas très impressionnant pour Flash. NordVPN est votre meilleure protection dans ce vaste multivers qu'est Internet. C'est un logiciel qui vous protège contre les hackers et autres piratages informatiques grâce au masquage de votre IP par un autre, en plus de vous donner une bande passante plus rapide. Pas plus rapide que... Arrête ça! Je suis dans mon multivers, je fais ce que je veux. On est tous dans un multivers, pauvre con! NordVPN est utilisable sur 6 appareils différents par contre et est très simple d'accès avec son interface lisible. Il suffit d'un clic pour l'activer et choisir l'IP du pays de votre choix parmi plus de 5000 serveurs partout dans le monde. Ouais, ou tu cours vers un autre pays? J'ai pas la force véloce, Barry. Toujours une excuse. C'est irritant, pas vrai? Ouais. Cette fonction vous permet aussi de voir des films et séries sur les bibliothèques de Netflix, Amazon Prime et Disney Plus des autres pays. Par exemple, en allant sur le Netflix américain, vous trouverez en exclusivité la série La Ligue des Justiciers, l'original et la suite Unlimited, toutes de Bruce Timm et Paul Dini, et qui restera la meilleure version de l'univers étendu de DC Comics. Ah ouais, je me souviens de cette série! C'était cool! Tu vas arrêter de changer d'univers, oui! On te plaint pas, j'aurais pu prendre ma plus terrifiante forme. Quelle forme? Oh non, pas lui! Allez sur le lien dans la description, nordvpn.com/fermez-la, pour obtenir NordVPN avec un abonnement de 2 ans comprenant une réduction exclusive et généreuse et 4 mois offerts. Remboursement garanti dans les 30 premiers jours. Merci à NordVPN pour le sponsor et bonne vidéo. Ezra, arrête de foutre du son partout là! Oh! Bonjour, j'étais en train de préparer mon dossier pour le film Flash. Son procès a lieu le prochain épisode. La majeure partie de la communauté des cinéphiles et des fans de DC a craché sur le film The Flash, et pour beaucoup de bonnes raisons. Et croyez-moi, il y a toujours des choses à dire sur cette catastrophe plus proche de la parodie des anciens plans des anciens patrons de Warner et DC que d'un film. Mais il y a un certain point que je me dois de traiter à propos de ce film avant d'entamer son procès. Et il s'agit du comics qu'il adapte, Flashpoint. Flashpoint est un comics écrit par Geoff Jones, ancien patron de DC, qui avait déjà écrit des histoires pour Flash, Superman ou Green Lantern. C'est lui qui a créé le concept des Blue et Red Lantern, c'est lui qui a créé l'événement Blackest Night, c'est lui qui a ressuscité Hal Jordan, et surtout, c'est lui qui a ressuscité Barry Allen, qui était mort pendant l'événement Crisis on Infinite Earth en 1986. C'est d'ailleurs pour ça que dans le dessin animé La Ligue des Justiciers, Flash était Wally West et pas Barry Allen. Car quand la série est sortie, c'était Wally le Flash principal. Et on a beau se moquer des super-héros qui meurent et ressuscitent tout le temps, mais 23 ans ? C'est pas mal pour un personnage aussi populaire, hein. Chapeau à DC d'avoir tenu jusque-là. Le truc bizarre, c'est que... personne n'avait demandé le retour de Barry Allen, voyez-vous. Non, vraiment, les fans avaient accepté sa mort, et une génération a grandi avec le deuxième Flash, Wally West. Mais je suppose que Geoff Jones était dans une sorte de position où il pouvait se permettre de faire revenir ses personnages préférés ou quelque chose, et qu'il voulait vraiment faire revenir Barry comme il a fait revenir Hal Jordan. Pour en revenir à Flashpoint, cette série était un événement majeur, car c'était le point de départ vers un énième reboot de l'univers DC, comme Crisis on Infinite Earth avant lui, créant ce qu'on appelle les Nouveaux 52. Une période... contestable, pour ne pas dire merdique, dont les seuls bons apports étaient la cour des hiboux dans Batman et la rédemption et émancipation d'Harley Quinn. Et Flashpoint en lui-même est une BD très surestimée. Oui, je sais, hot take. Car pour beaucoup, c'était une des rares bonnes histoires plus ou moins liées au Nouveau 52, et l'un des meilleurs événements de comics de ces dernières années. Mais je pense que les gens sont plus fascinés par l'univers de Flashpoint que par l'histoire elle-même. Flashpoint raconte une histoire où Flash, Barry Allen, se retrouve dans un univers parallèle où il n'a pas ses pouvoirs. Sa mère est en vie, Captain Cold est un gentil super-héros, Aquaman et Wonder Woman sont en guerre et ravagent la planète parce qu'ils sont cons, Superman a eu un atterrissage cataclysmique qui a fait des milliers de morts, et le gouvernement l'a capturé et a fait des expériences sur lui durant toute sa vie, le réduisant à l'état de coquille vide maladive. Et la partie qui plaît le plus aux fans, Bruce Wayne s'est fait tuer à la place de ses parents, son père Thomas devenant le Batman de cet univers, et Martha, traumatisée par la mort de son fils, sombre dans la folie pour devenir le Joker. C'est très dark pour ado, mais je comprends la fascination que les fans ont pour cet univers. C'est la même fascination que pour Injustice ou pour Superman Red Son. Et si nos héros perdaient ce qui les rendait héroïques et prenaient un mauvais chemin? C'est un concept qui a son attrait. En plus, Flashpoint a le mérite de traiter plusieurs héros. Ce qui fait que c'est un petit peu le buffet à volonté des What If. Les dessins d'Andy Kubert aussi sont impeccables. C'est ce qui se faisait dans la norme de l'époque, mais hein, c'est maîtrisé, faut le reconnaître. Mais ce sont réellement les seuls attraits concrets de cette histoire qui...
pour un reboot de tout un univers qui change la donne de beaucoup de personnages, bah c'est un peu con de tout centrer sur Flash, non? Du coup, mon problème avec Flashpoint malgré tout ça, c'est que narrativement, il y a des soucis qui me gênent beaucoup dans sa structure. Mais bon, Flashpoint est bien, mais narrativement c'est pas ça, c'est un petit peu long et pas très accrocheur comme titre. Ne me détestez pas, détestez le jeu de YouTube, votre clic prouve que j'ai vu juste. Flashpoint est sorti en 2011, soit il y a 12 ans, et en 12 ans, l'histoire a déjà été adaptée 3 fois. Parce que Geoff Johns est le patron, donc bien sûr il va privilégier sa vision de DC Comics, et il semble très fier des grosses traces de doigts pleines de sauce qu'il a laissées dans la continuité des comics. Même les films de Zack Snyder qu'on essaye de faire passer pour une vision unique et tout, ben ça restait très proche du travail de Geoff Johns, surtout Justice League. Parce que c'était un film de commande, que ça plaise ou non aux fans de l'admettre. Pour dire, Jay Olivia, réalisateur de pas mal de films d'animation DC Comics, a révélé que ce qui devait être la Snyderverse devait se conclure sur Reverse Flash qui se révèle être le méchant ultime et provoque un Flashpoint pour servir de soft reboot pour continuer la licence, et ce pour remplacer les acteurs qui seraient là depuis 10 ans si le projet avait continué ainsi. Parce que vraiment, le Snyderverse, c'est vraiment un Johnverse en réalité. Hein. Aussi, Reverse Flash au-dessus de Darkseid? Vraiment? Flashpoint fut adapté en un long métrage d'animation, par Jay Olivia justement, qui a imposé une hégémonie des films DC que j'avais déjà démoli dans une précédente vidéo, et qui remplace tout le blabla politique, complot et méfiance entre Aquaman et Wonder Woman par une aventure et dispute extra-conjugale qui a empiré après une extra... sur de tête, ce qui rend les deux chefs de guerre encore plus cons que dans la BD. Mais bon, on a mis du cul et décapité un personnage important de l'univers DC, donc on est plus mature. I'm 12. Il fut aussi adapté en un épisode de la série télé Flash de 2014, saison 3, donc quand les gens aimaient encore la série avant de devoir supplier d'abréger ses souffrances. Et bien sûr, dans le film solo Flash de cette année, qui est devenu une adaptation de Flashpoint sans le nom, car la nouvelle direction, faisons comme le MCU, a fait partir plusieurs acteurs de la Ligue des Justiciers, donc on va devoir tous les remplacer. Et on peut pas juste recaster un acteur en cours de route sans explication canonique comme si de rien n'était. Pas vrai Henry? Pas vrai Grindelwald? Pas vrai Roddy? Pas vrai Marie? Pas vrai Deadshot? Hein? Comment ça c'était pas Deadshot? Bloodsport? Le film avec Van Damme là? Bref, ces trois adaptations sont toutes très différentes. Deux d'entre elles se contentent de reprendre le concept et de faire leur propre truc qui correspond à leur propre canon, et chacune propose des corrections et alternatives intéressantes. Oui, même The Flash apporte des corrections. Il apporte aussi pas mal de trucs débiles qui rendent l'histoire moins bien, mais bon. La seule adaptation vraiment fidèle est le long métrage animation, et du coup elle reprend tous ses défauts, excepté la dépendance aux séries liées. Parce que oui, comme c'est un événement majeur qui reboot tout un univers, comme souvent dans les comics, beaucoup de sous-scénarios sont en parallèle et répartis dans les séries solo de nos héros. Ce qui appauvrit énormément l'histoire principale, car on voyait passer des personnages qui font qu'exister pour ensuite avoir leur histoire dans leur BD en à côté. Ce sont des putains de DLC ces trucs. Tu veux savoir ce qui est arrivé au Superman de Flashpoint? Eh bien achète ça. Le film d'animation a le mérite de synthétiser l'essentiel, créer une intro pour bien présenter le personnage, son univers et ses liens avec la Ligue, chose que reprendra même le film The Flash. Là, quand ils vont chercher Superman, Superman sert à quelque chose, et River Flash ne débarque pas de nulle part à la fin, vu qu'on l'a introduit dans les premières minutes de film, et d'autres changements un petit peu dans le même style. Mais l'autre problème de cette histoire, que le film d'animation conserve par contre, c'est que tout ça arrive parce que Flash a remonté dans le temps pour sauver sa mère qui a été assassinée alors qu'il était encore gosse. Sauf que Flashpoint ne montre pas Flash sauver sa mère. C'est un twist. En une grande partie de l'histoire, Barry pense qu'il s'agit du professeur Zoom. Et je le précise au cas où, pour ceux qui regardent que la série Flash, parce que la dernière fois que j'avais parlé de ce type, ça avait un petit peu embrouillé les gens. Oui, dans la série, Zoom et Reverse Flash sont deux personnages totalement différents. Mais dans le comics, c'est le même gars. Zoom, c'est juste un autre nom pour Reverse Flash à la base. Bref, il est persuadé que c'est lui le responsable, car il a laissé un indice en mettant son costume jaune dans la bague de Flash. Et parce que Zoom, de ce qu'il en savait à l'époque, est le seul à avoir la capacité de remonter dans le temps. Faut dire, à la base, il vient du 30e siècle et il a remonté dans le temps pour tuer la mère de Flash. Retenez bien cette partie-là. Du coup, l'univers de Flashpoint débarque sans prévenir, sans intro, juste au réveil de Flash, comme ça. Et c'est vraiment... chiant. L'épisode de Flash et le film Flash ont compris que c'était plus intéressant narrativement de créer d'abord des séquences où Barry est tenté de remonter le temps pour sauver sa mère, pour ensuite montrer que c'est lui qui a fait ça dès le début, et lui faire affronter les conséquences de son acte et être confronté tout le long par le choix entre laisser sa mère mourir et laisser ce monde mourir. C'est ce qu'on appelle un arc. Le héros accomplit une action au début, ce qui l'envoie par conséquence dans une aventure qui lui fait comprendre une leçon sur son action. Dans Flashpoint, le comics et le film d'animation, Barry n'apprend rien, car il ne sait même pas qu'il a fait ça. C'est une version alternative de lui qui a fait ça. Une version qu'il n'est pas à ce moment-là. Donc il n'apprend rien car il n'a techniquement rien fait. Tiens, c'est pratique ça. Monsieur le juge, c'est pas moi, c'est une version alternative de moi-même, hein. Parce que Flashpoint ne sait pas exactement ce qu'il est.
Est-ce que c'est une histoire Flash? Est-ce que c'est une histoire Justice League? Une histoire What If? Un événement qui reboot un univers entier? T'as 4 bases dans cette histoire et il ne semble pas savoir comment bien les mélanger de façon équitable. Du coup, quand Zoom, ironiquement, fait « C'était pas moi, Barry, c'est toi le méchant !»« Je n'y suis strictement pour rien. C'est toi qui as tout fait. Tu as transformé le monde en un enfer et celui-ci est à quelques secondes de sa destruction. Et c'est moi le méchant de l'histoire !» Eh ben, tu ressens rien. Le discours de Reverse Flash marche mieux dans la série. Car oui, ce qui se passe est de sa faute. On le ressent, on le sait, et on a même fait un mème tant c'est indéniable que Barry a merdé sur ce coup. Va brûler en enfer! C'est toi qui vas nous y conduire! De nous deux, qui est le pire, Flash? De nous deux, qui est le pire? Reverse Flash n'est pas dans le film Flash, mais il arrive tout de même à faire comprendre la responsabilité de Barry à travers une dualité avec son double, qui devient un boss final qui... sort d'encore plus de nulle part que Zoom. Encore une fois, tous les changements ne marchent pas. Moi, je suis Flash. Toi, comment tu t'appelles ? Dit le protagoniste à l'antagoniste après 2 heures de film et 10 minutes avant la fin. L'autre truc qui est con aussi dans cette histoire, c'est que... c'est un univers parallèle ou c'est une timeline différente ? Créer une timeline qui tourne mal parce que Flash voulait sauver sa mère, ok, classique effet papillon. Mais comment cette timeline a pu changer des trucs qui se sont passés avant la mort de sa mère ? Pourquoi sauver la mère de Flash provoque une timeline où Bruce meurt à la place de ses parents ? Ou que le vaisseau de Superman se crache à Metropolis au lieu de Smallville ? Ou que Wonder Woman et Aquaman aient une aventure extra-conjugale ? We will explain later. La BD a une explication à la Flash. En gros, en faisant ce changement, toute la force véloce est entrée en lui, cassant le temps, genre comme dans l'épisode de Doctor Who où tout se mélange. Oula, alors, ne me demandez pas une explication sur la force véloce, ok? Parce que vraiment, c'est le bordel, c'est un machin qui te donne le pouvoir d'aller super vite, mais ça a aussi une conscience, mais c'est aussi un monde à part entière, il y a des gens qui y vivent. Tu veux dire que je suis en train de parler à la source de mon pouvoir, mais qui est comme par hasard le sosie de mon père adoptif? Mais tellement pas. C'est vraiment juste un ta gueule illy rapide qui sert qu'à complexifier pour rien un personnage qui se contente de courir vite. D'ailleurs, je peux accepter que sa vitesse lui donne d'autres pouvoirs, genre phaser, ça, bien sûr. Remonter dans le temps, pourquoi pas. Faire des éclairs, c'est limite, mais pourquoi pas, hein. Mais vraiment, la force véloce, c'est lourd. Cette explication n'est pas dans le film d'animation. Zoom résume ça à l'effet papillon. Et du coup, ça ne marche plus. Lorsque tu passes le mur du son, cela provoque un bang supersonique. Eh bien, lorsque tu passes le mur du temps, Flash, il y a un bang temporel. Il y a perturbation et propagation de l'onde depuis le point d'impact, comme des ronds dans l'eau, et cela produit des micro-altérations, oh toutes petites, mais suffisantes. Yes, science! Et c'est pire dans The Flash, où le film fait la connerie de relever cette incohérence. J'ai voyagé dans le temps depuis ce point-là jusqu'à celui-ci, mais bizarrement... tout a complètement changé de l'autre côté. Pour au final, il répond qu'il n'a pas voyagé dans le temps, mais sauté dans un autre univers. Quand tu remontes le temps et que tu changes le passé, tu crées un pivot. Tu te places sur une toute autre tige de spaghetti. Nouveau futur, nouveau passé. C'est rétrocausal. Tu t'emmerdes, science! Sauf que ça ne marche pas, vu qu'on voit en détail que Flash a remonté le temps. Et le reste du film repose sur un respect d'une ligne temporelle. Du coup, le film ne se décide pas s'il est un film de voyage dans le temps pour avoir le sauvetage de la maman, les deux Flash et le retour de Zod, ou s'il est un film de dimension parallèle avec un Batman fanservice et Supergirl qui remplace Superman. Le temps, il est pas linéaire. Pas vrai ? Vrai. Bah, si le temps n'est pas linéaire, pourquoi tuer Barry 2 fait effacer le vieux Barry 2? Et si ces deux Barry-là sont liés, pourquoi Barry 1 n'est pas affecté alors qu'il vient du futur de Barry 2? Ça n'a aucun putain de sens, votre truc! Pourquoi sauver ma mère change ce qui s'est passé avant? Parce que tu ne remontes pas le temps, t'as changé de dimension. Alors pourquoi sauver ma mère change ce qui se passe après? Parce que t'as pas changé de dimension, t'as remonté le temps. Alors pourquoi sauver ma mère change ce qui s'est passé avant? Parce que tu ne remontes pas le temps, t'as changé de dimension. Alors pourquoi sauver ma mère change ce qui se passe après? Parce que t'as pas changé de dimension, t'as remonté le temps. Alors pourquoi. Dans le comics, corriger l'erreur de Barry change encore plus l'univers, créant le reboot des nouveaux 52. Certes, moins apocalyptique, mais ça change quand même toute leur histoire. Pour les non-lecteurs de bande dessinée, les franchises comme Marvel et DC, quand ils ont trop de personnages et d'histoires qui se mélangent au point de faire fuir des nouveaux lecteurs qui sont intimidés par sa densité, ils appuient sur le bouton fin du monde et recréent un nouveau monde tout neuf. Mais comme ils veulent aussi garder les anciens fans, ils gardent en mémoire pas mal d'éléments qui sont arrivés dans l'univers précédent. Donc ça sert à rien à part faire fuir encore plus les nouveaux fans et énerver les anciens fans parce que du coup on a annulé des histoires qui étaient en cours. Et ben Flashpoint, c'est ce genre de bordel. Enfin, univers moins apocalyptique, sauf dans le film d'animation dont la continuité lancée par Flashpoint se termine avec le nul à chier Justice League Dark Apocalypse War, qui est encore plus edgy de
de mauvais goût que l'univers Flashpoint. Des gens pensent que ce film est meilleur qu'Avengers Endgame. Alors, trouver Avengers Endgame pas terrible, c'est une chose, hein. Mais croire que cette merde est meilleure, même avec les goûts et les couleurs, vous êtes de sacrés menteurs, hein. La série et le film Flash ont corrigé ce problème en montrant que oui, Barry a corrigé son erreur, mais un truc a quand même changé dans le procédé. Dans la série, Reverse Flash profite de la liberté qu'il avait pour laisser des petits événements qui provoquent la mort du frère de Cisco ou la dispute entre Iris et son père. Dans le film, Barry confirme qu'il a rien appris dans ce bordel malgré qu'il a laissé sa mère mourir, car il fait quand même un changement qui va permettre d'innocenter son père et le faire sortir de prison. Ce qui provoque... On en parlera dans le prochain épisode. Mais là, j'en viens à un autre problème dans cette histoire. Tout repose sur la mort de la mère de Barry. Et la mère de Barry est à peine un personnage dans cette histoire. Sérieux, toutes ces adaptations font genre Barry fait tout ça pour sa mère, mais sa mère est à peine fonctionnelle dans toutes les versions de Flashpoint. Elle n'a que 2 scènes dans le comics, 2 dans le film d'animation, 4 dans l'épisode de Flash et 4,2 dans le film Flash. Aucune version ne lui donne plus de 5 minutes d'existence à l'écran. On ne sait rien d'elle, on ne sait pas ce qu'elle apporte à Barry pour que sa vie change aussi drastiquement avec ou sans elle. Elle est limitée à maman de Barry. Elle apparaît au début, elle n'existe plus pendant les 3 quarts de l'histoire, revient à la fin, crève, fin. C'est tellement un MacGuffin la meuf que tu peux la remplacer par une sauce Szechuan de McDo, ça aurait eu le même impact émotionnel. Le scénario de Flashpoint est très proche d'un épisode de Doctor Who, Fête des Pères, où Rose profite des capacités de voyage temporel du TARDIS pour sauver son père d'un accident de voiture qui est arrivé quand elle était encore bébé, provoquant une fissure temporelle qui menace l'univers. Et bien cet épisode est centré sur la relation entre Rose et son père. Elle essaie de rattraper toutes les occasions manquées, de mieux connaître le père qu'elle n'a jamais connu. Et du côté du père, il apprend petit à petit qui est cette mystérieuse femme qui l'a sauvée, il comprend que c'est sa fille plus âgée, il passe de bons moments ensemble et discuter de façon touchante, et à la fin, il décide de se sacrifier et de subir cet accident de voiture pour sauver l'univers. Dans un monde de dieux et de monstres, cette personne ordinaire se révèle être l'âme la plus courageuse. La maman de Barry aurait dû être au minimum un second protagoniste. Mais aucune version de ce bordel brouillon n'a eu l'intelligence ou la logique narrative de le faire. Genre, elle pourrait conduire un Flash sans pouvoir en voiture jusqu'au manoir Wayne, l'accompagner dans la Batcave. Elle a une discussion avec ce dernier pour le convaincre de les aider. Elle assiste au sacrifice de Barry pour sauver le monde, puis elle découvre que Barry vient d'un monde où elle est morte. Ça la choque un peu, et quand elle comprend que tout ça arrive à cause de son existence même, elle demande à Flash de la laisser partir, et ta matière pour en faire le meilleur personnage de l'histoire. Quelqu'un de humble et touchant dans ce monde de dieux. Tu peux même la mêler à l'action et faire un moment où elle éclate de façon rigolote un soldat ou quelque chose en mode Totmé, et on aurait capté ce que Barry perd en la sacrifiant. On aurait la même peine que lui de le voir perdre sa maman. Parce que le spectateur verrait un personnage qu'ils aiment mourir, pas voir une parfaite inconnue qui signifie beaucoup pour la version alternative du personnage qu'on connaît mourir. Mais non, elle a rien du tout. C'est un personnage fonction. C'est une femme dans le frigo que Barry a temporairement décongelée pour la remettre dans le frigo parce que thématique, accepter le deuil, blabla. Et pour les personnes qui adaptent cette histoire, c'est plus prioritaire de montrer une version dark edgy de l'univers DC Comics, ou de montrer une vie alternative pour la Flash Team et des discussions avec Reverse Flash, ou de faire des gags lourds et des scènes cool avec Batman Keaton et Supergirl. Quel poids vous faites ? 80 kilos, chacun. Parce que Flashpoint est un concept avant d'être une histoire. Un concept qui n'a été utilisé par un Geoff Johns qui n'a rien proposé que faire joujou avec ses personnages nostalgiques préférés. Au final, la version la moins catastrophique de Flashpoint est celle de la série 2014. C'est pas parfait non plus, bien sûr, hein, la maman est encore moins un personnage dans cet épisode, et ça a même moins d'excuses là-dessus que les autres films qui clairement étaient focalisés sur autre chose, mais au moins là, ça reste concentré sur Barry et son dilemme à vouloir garder sa mère et être un héros responsable qui ne change pas le passé. Oh tiens, j'ai complètement oublié, la mort de Nora Allen est due à un changement temporel. Ah oui, j'avais dit tout à l'heure que Reverse Flash, un mec qui vient du futur, avait remonté le temps pour tuer la mère de Barry. Et dans sa timeline, Barry avait grandi avec sa mère. C'est même encore plus précisé dans la série que Reverse Flash a changé le temps au point qu'il a dû provoquer lui-même la création de Flash pour sauver sa ligne temporelle et ses pouvoirs à lui. Et que donc, il vient d'une ligne temporelle où il n'était pas venu tuer sa mère. Yes, promotion sur les aspirines. Et dans les comics, c'est pire, car on peut nous-mêmes vérifier que la mère de Barry était bien en vie dans les vieilles BD Flash. Elle est canoniquement morte après le sacrifice de Barry durant Crisis on Infinite Earth. Donc elle a même survécu à Barry durant la plus grande période de Flash. En fait, la mort de Nora est un retcon, un changement rétroactif de la continuité opéré par Geoff Johns lui-même dans The Flash Rebirth. Parce que les auteurs de comics ne savent plus faire des histoires de super-héros où le super-héros en question n'a pas de backstory tragique à la Batman. Donc tout ce bordel de « on peut pas changer le passé » repose sur le sort d'un personnage dont les auteurs ont changé le passé. L'ironie du truc,
Et oui, c'est un truc que le film Flash corrige, car la mort de Nora se passe durant ce qu'on en sait, la timeline principale de cet univers. Et ce n'est pas Reverse Flash qui l'a tué, mais un brigand à la con. Il n'y a pas eu de retcon, ce Flash-là a toujours eu sa mère morte et son père en tôle. Mais du coup, la vision de Geoff Johns est la seule vision dans ces films. Ouais, peut-être que ça corrige, mais à quel prix? Et quand on voit à quel point l'histoire de base est bordélique, pff, est-ce vraiment si étonnant que ça que le film de Flash s'est révélé être un gros bordel? Excusez-moi. Allô? Oui, oui, j'arrive. Excusez-moi, c'est la cour d'appel. Il est temps de juger ce film pour tous ses crimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de la chaîne. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez déposer un don sur Patreon, où vous y aurez accès au Discord privé de l'émission, ainsi que des exclusivités et infos sur l'avancée de la prochaine vidéo. Et vous aurez aussi des contreparties, comme votre nom au générique, des badges, des mugs, des posters ou des t-shirts, ainsi que le choix d'un jeu pour un prochain live sur ma chaîne Twitch. Merci encore, et à bientôt sur Fermez-la.